Ah ouais, toi tu pars sur vraiment un grand truc quoi, c'est les murs de Chine. Ah ouais, 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 ouais. Bah attends, okay, okay, franchement, okay. La première arène qu'on avait construite, pourtant on avait l'impression d'avoir fait un grand truc, tu vois. Mais elle était toute petite, gros. Ma fourmi vengeuse, elle passait même pas dans le cadre de la porte. Bah ouais mon gars. Vous voulez participer, vous rejoignez le Discord. Il y a un salon scrap mécanique, vous allez voir. Et puis voilà, ça peut être cool si on peut jouer avec plein d'abonnés ou quoi. Là faut vraiment qu'on fasse une arène les mecs. De quoi accueillir au moins 50 bagnoles. 50-60 bagnoles. Non non, ça va cracher. Ça va cracher, on ne pourra pas, tu vois. Une petite dizaine de véhicules, je sais pas, non. Non, ça va cracher aussi une dizaine de véhicules. Tu penses on peut tenir combien? Le plus grand projet qu'on avait fait sur scrap, un des plus grands projets, parce qu'on en a fait beaucoup des grands projets sur scrap, je pense que c'était la ville volante. On était une vingtaine sur le serveur. D'ailleurs, spécial dédicace à tous ceux qui ont participé au projet Ville Volante. C'était vraiment un beau projet. On l'a fait décoller à la fin. Bon, ça a fait cracher la map, mais elle a décollé. Et bien sûr, les gars, les filles, je compte sur vous. Vous me faites péter la masse de likes sur la vidéo. Tous ceux qui veulent participer, machin, nanan. Même si vous voulez pas participer, un petit like, ça fait toujours plaisir. Faut qu'il y ait des pièges et tout, mon gars. Faut que ce soit un truc de ouf. Vraiment, hein. Faudrait faire des box à côté, genre, tu sais, pour construire les véhicules ou quoi. Ouais. Rien à foutre. Alors ça, c'est un exemple de piège. Hein. Petit moteur niveau 5, un interrupteur. Attends, viens déjà y faire face, là. Oh putain, tu passes à travers. Oh là là, regarde, il est bugué, le bordel. Il va tellement vite, c'est bugué, quoi. Ouais, là, c'est mieux, tu vois, quand il va pas trop vite. Oh là, qu'est-ce que t'es en train de faire, Luffy, comme piège, là? Le marteau. Alors par contre, faut les annoncer fort, les pièges. C'est pas le marteau, c'est... Le marteau. Le marteau des enfers. Et ça passe mieux comme ça. C'est plus convaincant. Tu vois. Tourbillon céleste. Faut que j'arrête avec ça, mon vieux. Putain, la fille est déjà chaud, ça y est, construit déjà son véhicule, mon vieux. Bah, véhicule de test. Eh ben, mon vieux, sacré test, hein. Il m'aurait fallu 3 quarts d'heure pour le construire, tu vois. Plus ou moins, à peu près. Un peu plus que moi, d'ailleurs. C'est quand même un grand projet, hein. Il grand ce projet quand même. Quand je vois ce qu'on a construit, quand je vois la taille de la reine, je me dis qu'on l'a pas fini. C'était un petit souci sur les proportionnalités, ouais. On a construit 3 pièges, mon vieux. Oh, merde, j'étais pas assez prêt. Oh, 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 bah d'accord. D'accord. On avait fait un laser game et je l'ai encore dans mon truc, hein. C'est un labyrinthe, mon gars. On avait fait ça avec les abonnés, faut que je me mette loin quand même, hein, parce qu'il est très grand. Il est très très grand. Je l'ai sur mon lift. Alors attention, ça va peut-être faire crasher la partie quand je le fais. Ah bah yes. T'es pas save. Oh putain. Oh putain. Attends, il faut aller faire un tour à l'intérieur pour voir ce que c'est, mon gars. Je te jure qu'il est énorme. On avait construit ça avec tous les abonnés et tout. C'était énorme, mon gars. Attention, ça. Ouais, mais ça va laguer si je le lâche. Ouais, ouais. Non, non. Confirme. Ouais, ouais. Merde. Ouais. Confirme, ça lague. Non, mais non, 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 non. Non. Allez, c'est reparti. Non, arrête, dis pas ça. T'avais quelle idée, vous auriez dû me retenir là. Pourquoi j'ai fait ça? Fallait me le dire, non, fais pas ça, fais pas ça. Putain, je crois que j'ai tout pété, les mecs. Ouais, des fois, ouais, la vie est... Comme ça, qu'il y a des jours où la vie te dit non. Moi, je me fie à ma fourmi vengeuse, tu vois. Faut qu'elle rentre, quoi, un minimum. Oh, quoi. Ouais. Casse la moitié du mur. Je pense, près, ouais. Tu vois, on a toujours une bonne entrée, tu vois. Voilà, regarde ça, là. Voilà, ça, c'est une bonne entrée, tu vois, voilà. On sait jamais, des fois, s'il y en a qui se sentent pousser des ailes et... Ouais. Et qui... Hein, voilà. Qui est une fourmi vengeuse 3, tu vois. Putain, j'ai déjà le nom, mon gars. Là, je m'y vois, là. Je m'y vois, là, déjà. Je m'y vois, là. La fourmi masquée. Ça... Oh, ouais. Hein. Ça fait peur un peu là, non? Tu vois? Ouais, non, mais bien sûr, pas dit comme ça, pas dit comme ça. Oh, je pense à un truc là. C'est qu'admettons, hein, peut-être avoir pour un test, pour une prochaine battle, on est obligé de mettre minimum 2-3 bonbonnes de gaz sur notre véhicule, tu vois? Voilà. Et à l'air libre, hein. À l'air libre, obligé, tu vois. On n'a pas le choix. Voilà, après, c'est à nous de faire attention où est-ce qu'on passe, ouais, quoi, tu vois. Ouais. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Bouge pas, je vais mettre des pattes à tort partout dans la raie. Voilà. Ce sera obligé minimum d'avoir 3-4 bonbonnes de gaz sur sa bagnole. Voilà. Au grand minimum. Hein. Ouais, mais attends, t'en prends des grandes, là. Il y en a des petites, hein.
Y'a... Ah, mais c'est... Oh non, mon piège, le pire. Mon piège, gros. Putain, t'as tout pété, quoi. Ça obligera tout le monde à faire attention, plutôt que de rouler comme un gorille. On devrait rajouter une règle. On a le droit de faire ses véhicules uniquement en carton ou en verre. C'est pas mal, hein. On a le droit de protéger les bonbonnes de gaz avec du carton. Ouais, ça, bon, on a le droit. Bois, carton et verre, et minimum, c'est 5 bonbonnes de gaz. C'est pas mal, écoute, pour le moment, ça va. Voilà, c'est qu'une ébauche, hein, c'est qu'une ébauche. Ouais. Oh, rien de bien concret. Y a pas de Gatling. Non. Qui, ça, montre-moi cette Gatling, là. Regarde-moi ça. Putain, c'est quoi ça? Mais non, mais le mec, quoi. Ouais, c'est vrai que toi, j'avais oublié que t'avais du skill quand même, hein. T'inquiète pas, on se voit sur le terrain. Bouge pas. Vous battre entre vous, hein, je vais regarder, je crois. Alexandre, il... Voilà. Alexandre, il compte pour du beurre, il va se faire éclater en 2 secondes. C'est dégueulasse, ce que je dis. Mais tellement vrai. Ah là là. Non. Oh, j'ai un truc dépassé là. Oh, j'ai pas fini, c'est une ébauche. C'est qu'une ébauche. Impressionnant, hein. C'est juste pour faire un petit coucou, ça. Coucou. Ouais, coucou. C'est juste histoire de faire un petit salut, quoi, tu vois, voilà. Entre voisins. Salut, voisin. Qu'est-ce que... Salut, voisin. J'essaie de dire un petit bonjour. Je te jure. Je passais juste te dire un petit bonjour. J'ai rien vu, j'ai rien vu. Voilà, de toute façon, peu importe que tu construises, ça fera pas le poids. Face à ma petite ébauche. Ma petite ébauche, je suis pas à fond là. Je suis pas à fond, hein, franchement là. Ouais, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Ouais. Tu veux voir quelque chose? Hein? Est-ce que tu veux voir quelque chose? Vas-y, attends, tire pas. Hein. Tire pas. Hein. Ah ouais? Attends, tu veux voir quelque chose? Alors, tu veux voir quelque chose, mon gars? Hein? Alors, ouais. Comment on le sauvegarde? Hein? Comment on sauvegarde? Viens pas trop te frotter un peu, hein. Ouais, je vais sauvegarder aussi. Franchement, je la trouve pas mal pour une ébauche, tu vois. Là, tout de suite, maintenant, là, je vois aucun adversaire de taille, tu vois. Non, non. Ah, je sais pas comment je vais l'appeler, tiens. Tu vois, je sais pas. J'ai pas de nom. Ouais, tu vois, moi, c'est le scorpion, moi. Ah, le scorpion, putain, le scorpion. Ouais, c'est pas mal. Attends. Le frelon ravageur. Il est pas mal, quand même. Elle le déferlante. Attends, attends, Luffy, attends. Attends, Luffy, 2 secondes. Attends. On va attendre Alexandre, quand même. Alexandre, t'en es où? Non, mais battez-vous, allez-y, battez-vous. Battez-vous, vas-y. Ah, tiens, viens passer par ici, tu vois, un peu. On commence, t'es sûr? Hein? Commence, t'es sûr? Ok, d'accord. Elle déferlante. Puissance du frelon. Attends, la fille, j'ai oublié de mettre des réacteurs, 2 secondes. S'il te plaît. Arrête. Oh, tu vas te défoncer. Arrête. J'ai pas mis de réacteur. Attends, elle a déjà cassé. Bah, est-ce qu'on fait encore des améliorations? Non, c'est fini, je branche juste mes réacteurs, la fille, hein, juste ça. Voilà, juste mes réacteurs et je répare un peu quand même mes vitres, là. Je répare mes vitres, c'est important, quand même, ça. Regarde ça, la fille, là, le frelon ravageur, là, hein. T'en as peur, hein. T'en as peur, tu restes loin, hein. Mais t'as raison, je resterai loin aussi, hein. Ouais. Butinement ravageur. Attends, mais je suis pas dessus. Merde, attends. Attends, le fils, je suis pas prêt. J'attends, 2 secondes. J'ai buté son maximum. Je suis pas prêt, 2 secondes. Putain, c'est quoi ce bruit? Ah, t'es comme ça, t'as mis plein de réacteurs, toi. La charge du scorpion. Ouais, la charge du scorpion.
D'accord. Ouais, tiens. Quand je vais faire mon piqué céleste, à mon avis, ton scorpion, il va voler, mon vieux. T'inquiète. Non, non, mais je suis rien, t'inquiète pas. Je veux juste te faire goûter. Voilà. Avec ses pelotes. Oh putain. La pince du frelon. Pince frelonesse. Et un frelon, qu'est-ce que ça, un frelon? Des ailes, bien évidemment. T'as mon vieux, je te prépare une attaque secrète. Oh là là. J'ai même pas envie de t'annoncer le nom maintenant, tu vois, je te l'annoncerai quand tu l'apprendras, tu vois. Mais c'est une attaque céleste déjà, je t'annonce. Tiens, juste, si un jour t'as besoin d'un dépannage, hein, ouais, tu me le dis. Butinement céleste. Ah, elle est lourde ta baraque quand même. Elle est assez lourde. Si tu me croises derrière toi, hein. Mur céleste du frelon. Hein. Ok. D'accord. Hein, surtout traîne pas derrière moi, ça peut être dangereux pour toi. Ça me fait vraiment penser genre à course à la mort. Ouais, la course à la mort, mon gars. Ouais, c'est ça. Bourdonnement maximum. Passe du frelon. Oh, ça passe, mon gars. Ah, mais laisse tomber les directions. Hein. Ah, bah, hey, un frelon, ça vole. Hein. Elle s'élève défense, du frelon. On commence déjà. On commence déjà. Oh non. Petite capacité, c'est de ramener les lames au centre pour écraser sa proie. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Les pinces du scorpion. Ensuite, nous avons la fuite du scorpion. Ah, la fuite du scorpion, d'accord. Voilà. Très bien. Mais as-tu pensé aux ailes célestes du frelon pour te rattraper, suivi des pinces. Fais gaffe parce que c'est automatique, hein. Hein? T'as pas pensé à ça, mon gars? Tu feras pas grand chose contre mon frelon. Arrête, le fille. Eh, bah... regarde Alexandre. Regarde-le, il vient foutre sa merde, lui. C'est quoi son truc? C'est l'écran céleste. Les troncs célestes. Ah, c'est pas mal, franchement. C'est pas mal. Sympa. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. J'enclenche déjà la puissance maximum. Regarde là, Alexandre, il arrive déjà, il va me charger ce bâtard. Mur céleste, attaque secrète du frelon, Alexandre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis possédé. Fuite du scorpion. Fuite du scorpion. Ouais, Alexandre, il tourne son truc quand même. Bah ouais, mon gars. Passe du frelon. Je me fais niquer par les troncs célestes, quoi. Attaque spéciale. Oh, ah, il est violent quand même. Oh putain. Oh, attends, Alexandre, je suis bloqué par la mec. J'étais... Ah, ma pince s'est prise. Attaque. Ah oui. Oh, vol du frelon. Oui. Oh là. J'ai perdu une pince, mais... Alex, il a perdu les troncs célestes. Ok, d'accord, tu veux jouer à ça, les filles, c'est parti, mon gars. Les troncs célestes n'a pas dit son dernier mot, il roule tout seul. Attaque du scorpion. Je suis bloqué par les troncs célestes. Oui. J'étais bloqué par les troncs célestes, mon vieux. C'est de la faute à ton étron si je suis resté coincé. Eh, quand même, regarde. Entre le scorpion, l'étron et le frelon, il reste quand même mes passes de frelon. Ah bah, plus maintenant. Oh, les bâtards. Putain, vous avez niqué mon frelon, quoi.